Mathieu Noël, vous avez 2 minutes 15 pour faire rire notre invité, Marion Maréchal. Pas facile, Nicolas, d'autant que question humour, notre invité a déjà eu sa dose avec l'édito politique de Yael Gauz. Et oh, les LR, vous êtes où ? Qui relève de moins en moins de l'édito politique et de plus en plus du stand-up. Aujourd'hui, on a même eu du Jodassin. Passer après un tel show, c'est dur, mais j'y vais. Marion Maréchal, sachez d'abord que j'ai de la tendresse pour vous. Quitter le RN pour rejoindre Reconquête juste avant une présidentielle, c'est comme quitter le PSG pour rejoindre Clermont Foot avant une Ligue des Champions. C'est courageux, je dis chapeau, même si à titre personnel, j'ai un gros reproche à vous faire, pas sur votre ligne politique, sur votre école, l'ICEP. Moi, j'ai fait l'autre Sciences Po, celui de gauche, rue Saint-Guillaume. Et justement, je ne voulais absolument pas de cet entre-soi islamo-gauchiste pour mon fils, Kylian Noël, qui filait un très mauvais coton après son bac. Pour vous dire son degré de perdition, il en était à liker des tweets de Sandrine Rousseau. C'est monstrueux. On est tous d'accord, même Nico est choqué. Je me suis dit, Mathieu, il faut que Kylian respire un autre air que celui du 7e arrondissement de Paris. Être entouré de types bien-pensants qui lisent Télérama, un jour, quand il va être confronté au monde réel, ça va lui faire tout drôle. D'où l'idée de l'envoyer dans votre école. Ça a été toute une préparation, résiliation de l'abonnement familial à Libé, visionnage obligatoire de l'heure des pros sur CNews, interrogation écrite sur ce qu'il a appris dans Enquête de sens. C'est une réalité plus sournoise que tous les virus, ce sont les forces du mal. Elles étendent leur pouvoir dans toutes les sphères de la société pour nous conduire au désespoir. Et Dieu sait qu'on en apprend des trucs dans Enquête de sens. Là, je l'ai envoyé pour la marche pour Lola. Il m'a dit « Papa, tu crois que récupérer un fait divers horrible pour taper sur les Algériens, c'est bien. Francis Saul, Fourniret, Émile Louise n'étaient pas Algériens et pourtant... Oh, ça va, Kylian ? Ton couplet de gauchiasse, je le connais. Fallait le secouer, le gamin. » Et c'est en ça que je suis déçu. Par l'ICEP, Marion Maréchal, votre école ne va pas assez loin. Même le titre, l'ICEP, c'est trop lisse. Faut trouver un truc plus accrocheur. Je pensais à la Staréac Academy. Il y aurait un cursus en droit pénal avec des cours magistraux Cyril Hanouna, le badinter du côté obscur. La justice ne serait plus étudiée à travers le code pénal, c'est chiant, écrit trop petit, mais à travers le film Judge Dredd, dans lequel Stallone incarne un juge ultra rapide qui juge et exécute la sentence sur le champ. Moyen astucieux pour désengorger nos prisons. En chargé de TD, Jean-Marc Morandini. Bah, c'est bon, hein, c'est post-bac, tous les élèves sont majeurs. Me remerciez pas, m'annoncez cadeau, Marion, et bisous à Eric. Hein, attention, me piquez pas l'idée. Staréac Academy, j'ai fait comme vous, j'ai déposé. Merci Mathieu Noël et merci à vous d'écouter France Inter. Il est 8h et bientôt 2 minutes.